Les habitants de la ville aiment manger de la chair humaine. Ils aiment chasser les touristes de passage comme s'ils étaient de la nourriture. L'homme est allongé sur le lit. La belle femme introduit un tube directement dans la bouche de l'homme. L'homme n'y pense pas trop. Il avale le liquide. Il ressent une vive douleur dans la gorge. La femme se met à rire de façon incontrôlée. Il s'avère que la bouteille n'était pas remplie de vin, mais d'acide sulfurique. L'acide a brûlé et corrodé la chair et a même pénétré dans le lit. La pièce est baignée de sang. L'homme a perdu la voix. Mais les autres jeunes gens qui voyageaient avec lui ne savaient pas qu'il se trouvait dans un enfer cannibale. Dans la journée, trois groupes de jeunes sont arrivés à Happy Valley. Elle est déserte et délabrée. Les propriétaires sont un peu paresseux. L'arrivée de 8 étudiants universitaires a brisé la tranquillité du village. Ils sont entourés de villageois enthousiastes. En voyant l'enthousiasme des villageois, les jeunes gens ont un peu baissé leur garde. C'est alors que le chef du village, qui n'a qu'un œil, est sorti. Il les a invités à passer la nuit ici. Le soir, il y aura un programme très joyeux.